Bonjour à vous tous. Vous avez sûrement déjà remarqué comment est-ce qu'une odeur particulière peut te ramener dans une époque bien précise de ta vie. T'sais, si ça te fait du bien, bien, c'est bien plaisant. Mais si ça te fait mal, par contre, là, bien, reste pas là-dedans, sois pas masochiste. T'sais, c'est comme quelqu'un qui se promène en auto puis entend tout d'un coup une chanson qui te rappelle à ton ex. « Oh mon Dieu, je l'ai donc aimé, lui. » Puis là, tu te mets à terre. « Veux-tu changer de poste? » À un moment donné, là, faut juste lâcher prise. Moi, je me rappelle quand mon grand-père était décédé. Quand je le regardais couché dans sa tombe, bien, mon cerveau enregistrait que les fleurs autour me sentaient le mort. Alors pour moi, quand je sens une fleur, bien, ça me rappelle à mon grand-père qui est décédé. C'est pas mal morbide. Mais c'est parce que mon cerveau enregistrait ça quand j'étais jeune. Quand je me promène en moto aujourd'hui, quand je sens le gazon fraîchement coupé ou la marbre de vache, je te dis que ça me rappelle de la liberté, les grands espaces, puis ça me fait tellement du bien. Alors, ceci dit, n'oubliez pas que votre cerveau enregistre tout. Puis des fois, là, il y en a juste plein de déclencheurs de souvenirs. Tu vas entendre quelque chose, tu vas voir quelque chose, tu vas sentir quelque chose, ça peut quand même te faire mal. Mais c'est important de faire la part des choses, puis de lâcher prise. Je fais plusieurs conférences, espérons vous voir. Il y en a qui vont me dire, « Oh, ça c'est la chanson de mon ex, oh je te dis, oh que je l'aime. » C'est Francis Cabrel, puis c'est Chris de toi. Bonne journée.